Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon avis sur le tome 1 de la saga Off Campus écrit par Elle Kennedy et publié chez Hugo et compagnie dans leur collection New Romance. C'est une saga en 4 tomes, donc je vais vous faire 4 vidéos indépendantes pour vous présenter mon avis sur chacun de ces romans. Pourquoi ? Parce que chaque histoire est indépendante et que peut-être que si vous faites une recherche individuelle, vous voulez voir seulement un de ces tomes et pas l'intégralité. Alors dans The Deal, on va suivre l'histoire de Garrett qui est un joueur de hockey dans l'université à côté de Boston, là où il étudie. Son but dans la vie est d'intégrer l'équipe professionnelle de hockey. Il vit avec 3 colocataires et nous allons donc suivre leur histoire à chacun de ces 4 colocs. Garrett, pour intégrer l'équipe professionnelle, doit également ramener de très bonnes notes scolaires, avoir vraiment un parcours assez... Un parcours assez idéalisé, enfin un parcours assez... il doit avoir vraiment un parcours réussi à tous les niveaux, sauf que lors d'un devoir, en fait, il va récupérer une mauvaise note et c'est à ce moment-là qu'il va s'intéresser à la petite Anna qui semble être plutôt studieuse, brillante et qui a dégoté la meilleure note de la classe. Sauf que Anna, elle a une idée plutôt arrêtée sur l'équipe de hockey. Elle sait que c'est dans l'ensemble des coureurs de jupons. Elle veut pas se faire rouler, en tout cas, elle veut pas qu'on profite d'elle par rapport à son niveau intellectuel et studieux. Donc elle refuse la proposition de Garrett. Les deux personnes se rendent à une soirée universitaire et à ce moment-là, en fait, Garrett va voir que Anna Albéguin pour Cole, donc qui fait partie de l'équipe de football, mais qu'elle ne sait pas du tout s'y prendre au niveau drague. Donc il va lui proposer The Deal. En contrepartie de l'aide que Anna voudra bien lui faire pour réviser ses cours, Garrett lui propose de lui apprendre à draguer ou en tout cas à susciter une certaine jalousie de la part de Cole. J'ai adoré cette histoire. Alors certes, on est vraiment dans un schéma classique, typique de la romance, il n'y a rien de bien original. Mais c'est intéressant de découvrir ces personnages tellement attachants. Ils ont une alchimie qui est incroyable et j'ai trouvé qu'ils étaient d'une compatibilité. Ça m'a fait craquer. J'ai été dans une lecture, ce que j'appelle doudou. J'ai passé un excellent moment à découvrir cette histoire. Il y a beaucoup d'humour. Elle, Kennedy, a vraiment beaucoup d'humour dans ses dialogues, dans les situations. Et du coup, c'était vraiment un plaisir de découvrir The Deal. On va commencer également à découvrir les autres personnages de l'univers. Hein. Donc il y a aussi bien Ali, qui est la meilleure amie de Anna et qui vit en colocation avec elle. Enfin, elle se partage une piole dans la chambre universitaire. On va découvrir les 3 autres colocataires, donc Tucker, Logan et Dean, De Laurentiis. Et puis voilà, 2-3 autres personnages qui vont venir parsemer l'histoire d'aventure étudiante. En tout cas, à ce niveau-là, c'était vraiment plutôt réussi. J'ai bien aimé la façon également dont Garrett a de titiller Anna. Garrett, c'est vraiment le book boyfriend idéal. Je pense qu'on peut pas rester insensible à lui. Il est honnête, il est attachant, il est ambitieux, il est respectueux. En plus, il est sexy et puis il a l'air de bien s'y connaître au niveau de l'intimité. Ça parle de hockey, donc c'est aussi intéressant. Moi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Et du coup, je ne connais pas trop le hockey américain, donc avec la NHL, etc. Mais du coup, c'était une façon de le découvrir à petite dose dans ce tome 1. C'est peut-être également le petit reproche que j'ai à faire à ce tome, c'est qu'il n'y avait pas assez de scènes pour moi à la patinoire. J'aurais bien aimé voir un petit peu plus d'entraînement ou de prise de risque à ce niveau-là, mais peut-être que c'est un problème qui sera résolu dans les autres tomes. Franchement, c'est une lecture très très agréable que je vous recommande si vous voulez passer un moment détente sans prise de tête. En tout cas, je vous encourage vivement à lire cette romance. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. À bientôt !